dans l'appartement parisien de Gaspare Manos, qui est un artiste ayant vécu au cours de son existence dans plusieurs endroits très très différents. Mais donc, comme nous sommes à Paris, déjà on va parler de cet appartement qui se trouve dans un immeuble assez spécial, n'est-ce pas? Oui, très spécial. C'est à rue Guénégaud, dans le 6e arrondissement. Et au fait, c'était l'hôtel particulier de Madame Roland. Et pendant la Révolution, vous savez que Madame Roland était un peu l'égérie de tous ces révolutionnaires. Donc Danton et Robespierre et des gens comme ça étaient assis ici, en planifiant la Révolution. Oui, ce qui me donne quand même une émotion assez particulière. Donc, je vous disais que Gaspare Manos est un Italien d'une famille vénitienne ayant aussi des racines en Dalmatie et il est fils de diplomate et a donc vécu dans différents pays. Dans différents continents. J'ai eu une vie un peu rocambolesque au début, due à mon père. Donc, je suis né en Thaïlande, à Bangkok. Ma première langue était le thaï. On m'a envoyé dans une petite maternelle française, donc j'ai appris le français. Suivi par 10 ans au Kenya. Là, j'ai commencé des études en anglais, j'ai appris le swahili, suivi par des années en Grèce, où j'ai appris le grec. Et puis, j'ai fini par passer 20 ans. 25 ans en Angleterre où j'ai fait mes études, un doctorat en économie, etc. Et puis j'étais en Belgique et en France et à Venise entre-temps, voilà, un peu partout, et 130 pays plus ou moins. Donc, probablement, il y a plusieurs visiteurs de notre site qui auront comme un sentiment d'envie face à une existence aussi spéciale. Mais, je crois que le fait de se retrouver dans des cultures différentes au cours de sa jeunesse peut comporter aussi quelques inconvénients. Et beaucoup, oui, il y a beaucoup d'avantages parce que, bien sûr, on a une vision globale des choses, mais arrivé à un certain âge, on se pose quand même la question, mais qui suis-je? Hein? Est-ce que je suis asiatique dedans? Je suis vénitien de famille, mais je parle swahili, je me réveille, j'ai fait un rêve en grec. Je suis comme l'eau, je prends la forme du container à Paris, je suis très parisien. Or, cette pluralité d'expériences au cours de votre jeunesse a eu une influence considérable sur votre travail d'artiste. Oui, absolument. Je pense que je puise, comme tout artiste, plasticien ou musicien ou écrivain, dans tous ces souvenirs et ce sac des mémoires. Et vu que j'ai eu l'occasion de vivre et de rencontrer des gens extraordinaires et de faire part de choses qui ont été vraiment très spéciales, c'est peut-être mon devoir de les faire sortir, de les mettre sur des toiles et de m'exprimer comme ça. Donc, La diversité de votre expérience ne remonte pas uniquement aux endroits où vous avez vécu, mais aussi à votre formation. Je rappelle que ce monsieur a fait des études, par exemple, à la London School of Economics. Donc, au départ, c'était plutôt des intérêts politico-économiques et sociaux qui dominaient sa formation. C'était pas tellement les arts plastiques. J'ai toujours voulu peindre et en ayant fait une famille, un doctorat en économie, en ayant monté une boîte en logiciel, en télécommunication, j'ai tout abandonné, j'ai tout mis de côté. Et je suis retourné à mon premier amour. Mais je ne pourrais pas peindre comme je peins si je n'avais pas fait ce parcours qui m'a permis de construire une certaine façon de penser, de réfléchir. Une façon cartésienne, un accès à l'information, une synthèse. Donc, ces différents endroits,
où vous avez accompli votre expérience de vie et ont une influence, comme je le disais, sur votre travail d'artiste, car parmi vos sujets, il y a bien entendu des paysages, il y a notamment des villes. Les villes sont probablement, oui, c'est pas probablement, c'est un sujet très très important dans mon œuvre. Je me suis posé la question pourquoi. Alors, j'ai grandi en Afrique. La seule ligne était horizontale. C'était ce qu'on voyait, les nuages, la terre et rien d'autre. Tout à coup, on part en Suisse et puis en Grèce. Donc tout à coup, cette ligne est devenue verticale, la ville, urbis. Et les voyages en Italie, et Rome, et mes racines, etc. Et la ville est comme le reste de l'humanité. Non? Quand on est sur une plage, on ne cherche pas la limace, on cherche le coquillage. La ville, c'est un peu comme le coquillage de l'humanité, ce qui reste après tous ces efforts de génération. De penser. Alors, je disais que vous êtes d'une famille, vous provenez d'une famille vénitienne, donc Venise, déjà, c'est une ville qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, entendu. Venise, mais il y en a d'autres. Toutes les villes m'intéressent, Venise en particulier, et d'ailleurs, cette exposition à la Galerie Pièces Uniques à Paris, qui aura lieu le 21 janvier jusqu'à 10 avril. Au fait, il s'agit de deux galeries. Il s'agit de la galerie du 26 de la rue Mazarine et de celle du 4 de la rue Jacques Callot, toujours dans le 6e arrondissement de Paris, tout près d'ici, de la rue Guénégaud, où nous sommes en ce moment. Donc, vous disiez, il y a cette exposition qui va démarrer sous quelques jours. Voilà, et cette exposition va présenter bien sûr une toile principale qui a été faite pour l'espace de pièces uniques qui est sur rue Jacques Callot. Historiquement, tous les artistes qui ont fait des expositions là-bas, de Cy Twombly et d'autres, pour citer des géants, on préparait quelque chose spécifiquement pour cette pièce. L'autre galerie aura une série de 20-30 œuvres autour de Venise. Oui, donc Venise, c'est une source fondamentale de votre travail, de votre inspiration. Mais il y a aussi d'autres, vous disiez, toutes les villes en principe m'intéressent. Venise, c'est un peu la maman de toutes les villes, mais New York en particulier m'intéresse, c'est un peu l'autre extrême, en passant par des villes en Afrique où j'ai habité, où j'ai transité, ou en Asie. Donc le monde urbain m'intéresse. C'est le résultat de l'effort humain, de la pensée humaine, qui se concrétise à travers du ciment, à travers des structures. Voilà, c'est quelque chose de fascinant, je trouve. Quels sont les peintres qui ont inspiré votre travail, disons, vos maîtres à penser? Tintoret, Filippino Lippi, Balthus, Fujita, la ligne précise, mais je trouve que chaque artiste va apprendre quelque chose chez chaque peintre. Connu ou méconnu, on a toujours quelque chose à capter, une nuance, une couleur, une façon de voir quelque chose. Et je ne peux pas oublier, bien sûr, Lucian Freud, que j'ai connu très bien à Londres. Si l'on doit récapituler pour les visiteurs de notre site, qui ne sont pas forcément des spécialistes dans le domaine de la peinture contemporaine, si l'on doit récapituler quelle est la philosophie essentielle de votre travail, je pense que peut-être on pourrait parler de cette sorte de synthèse entre la tradition disons figurative et l'abstrait. Enfin, vous êtes entre ces deux pôles
et finalement vous ne choisissez pas. Non, c'est exactement ça. J'essaye de tracer une ligne précisément entre les deux, parce que la mémoire est faite de choses précises. On sait qu'on est là, telle date, à tel endroit. Mais dans 15 ans, vous allez oublier que j'avais des chaussettes rouges et que vous avez une cravate rouge. Donc, il y a un aspect de données et d'autre, l'aspect imaginaire. Donc, si on transpose ça dans la peinture, on trace cette ligne entre les deux. Mais je puise dans une philosophie très précise, c'est la phénoménologie, qui justement essaye de rechercher les racines, la racine des choses pour arriver à une certaine vérité. Voilà. Oui, donc. On pourrait dire que chez vous, il y a le souhait de ne retenir que l'essentiel. Il est vrai que quand nous sortons de n'importe quelle expérience, peut-être par exemple même un restaurant, disons, hein, nous sommes gourmands très. Tous les deux, voilà, très, il ajoute très, et donc 10 ans après, on va se souvenir peut-être de cette sauce un peu spéciale qu'on a goûtée, on oublie tout le reste. Absolument. Et c'est cette sauce qui reste gravée dans notre mémoire. Absolument. Dans votre peinture, il y a cet effort d'opérer cette sélection et de fournir l'essentiel. Absolument, absolument. La mémoire, c'est, je pense, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est un arrière-goût. C'est un parfum qu'on trouve dans la rue, on sent quelque chose et tout à coup il y a un flashback. C'est la Madeleine de Proust, franchement, c'est ça. Voilà, donc une peinture qui est agréable à voir, bien sûr, mais qui nous encourage à réfléchir aussi. À réfléchir et au voyage, un voyage intérieur. Beaucoup de gens ont peur de voyager. Parce que voyager intérieurement, ça veut dire nécessairement se comprendre et s'accepter. Et donc peut-être j'essaye de creuser cette thématique-là aussi, pour moi-même et peut-être pour les autres. Autrement dit, en travaillant sur vos tableaux, vous arrivez à mieux vous accepter. Ah, c'est la seule façon. C'est une espèce de psychothérapie qui dure depuis que j'ai 10 ans. Et je pense que si je ne peignais pas, je ne serais plus là. Mais j'en ai la certitude même. Voilà donc l'aveu de quelqu'un qui, tout en étant conscient de ses capacités, de ses talents, mais en même temps, il est conscient de ses limites, de ses bornes. Absolument. Mais là, je suis sûr que l'art est salvateur. Non, je dis toujours « salvation lies in art », la salvezza sta nell'arte. Non, j'en suis sûr. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait mettre des tableaux dans des hôpitaux et des choses comme ça, parce que ça fait, c'est un lienitif, ça fait du bien. C'est thérapeutique. C'est totalement thérapeutique. Merci, Gaspard Emanos. Merci à vous.